Hello tout le monde, c'est Asso! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur DayZ Mode Époque sur Taviana. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va plutôt pas trop mal. Premier épisode, on s'était mis vachement bien en se trouvant en coffre et en s'échappant un petit peu de façon YOLO, j'allais dire. Mon perso, il a toujours la crève, c'est toujours la merde. Mon perso se trouve actuellement quelque part dans la montagne, je dirais aux alentours de là, plus ou moins. But de cet épisode, trouver un entrenching tool et une toolbox, les amis. Pour ce faire, je pense aller faire un tour à Molotovsk et dans cette zone industrielle qui est juste là, pour éventuellement planter mon coffre dans la zone, ouais, je sais pas trop, soit ici, soit là. Voilà, le but, le plus gros des trucs, ce serait de faire ça. Si on y arrive, eh bien, chapeau bas, ce serait top. J'en suis pas certain, honnêtement. Mais bon, on va essayer. Merde, dis-moi que j'ai fermé le navigateur. Seriously? Damn it, j'arrive tout de suite, hein. Une petite seconde. C'est quoi? DayZDB. Ah, dur. Mais ouais, on s'en est sorti, les amis, dans l'épisode précédent. Oh là là! Alors, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous le conseille vivement parce que c'était vraiment très drôle. Surtout quand on a récupéré le matos, quoi. Oh, du gros n'importe quoi. J'ai eu très peur, quand même. J'ai eu très très peur. Ok, on est parti. Donc, mon perso a toujours la crève. Ce serait bien. Et ce serait vraiment bien que je trouve assez rapidement tout le matos pour poser ce coffre. Parce que mon perso est malade et il va probablement y rester un de ces jours. J'ai déjà utilisé une canette de bouffe et une canette de boisson. Je vous rappelle le stuff rapidement, vous l'avez vu avant, mais le voici. J'ai encore une ghillie en rab parce qu'on en a trouvé deux d'un coup. Va savoir pourquoi. Mais bon. Et il y avait également une maison sur le sommet de la montagne là-bas. J'ai trouvé une maison de bandits. Ouais. Alors nous, ce qu'on va faire à terme, je sais pas, hein, je sais pas combien je vais faire d'épisodes, je sais pas, là pour l'instant je suis lancé, je sais pas trop combien je vais en faire, je vais principalement, je pense faire ça aujourd'hui du moins, demain est un autre jour, je ne sais pas, voilà, mais ouais, je pense déjà faire, ouais, quelques épisodes aujourd'hui, peut-être un ou deux encore, je ne sais pas trop, mais est-ce qu'on va se construire une maison ou pas, telle est la question, je ne sais pas trop, à voir déjà si on arrive à poser ce coffre, si on arrive à poser le coffre, peut-être que, bon, je vais y réfléchir. Je sais pas encore. Mais ça me tenterait bien d'aller refaire un tour à Salvation Island, etc., etc. C'était top. On s'approche enfin de notre objectif, les amis. Qui est là. Alors, Molotovsk, c'est juste en face de nous. Le port qui est là-bas, c'est en fait la zone industrielle de Molotovsk. Voilà, puisque c'est deux choses séparées. Hein. La ville et la zone Indus. Le concept, c'est pas se faire tuer. Parce que si on se fait tuer, le mec, il récupère un coffre et il est super content. Voilà. On pourrait éventuellement déposer ce coffre dans un véhicule abandonné ou quelque chose comme ça. Je suis pas fan de ça non plus parce qu'en général, moi, quand je vois une bagnole, perso, je vais aller looter à l'intérieur et voir ce qu'il y a dedans. Voilà, ce serait un peu con que ça arrive. Et qu'on se fasse piquer ça. Alors, autant le défendre jusqu'à la mort, ce coffre. Et puis terminer, quoi. Je vais d'ailleurs recharger mon flingue et mettre le chargeur plein à l'intérieur. D'avoir 8 balles, on sait jamais. Et c'est un serveur allemand, on dirait. Oui, parce que dans l'épisode précédent aussi, je me suis démerdé en allemand en disant au mec qui me pourchassait. Ouais, il a armé le bonhomme, il a armé. Du coup, ça l'a fait flipper aussi. Et je sais pas s'il s'est barré ou quoi, j'en sais rien. J'ai pas tourné la tête, j'ai couru, on va la foutre. Oui, parce que un coffre comme ça, ça coûte les yeux de la tête. Voilà quoi. Et puis il y en a qu'un seul par restart. Et il est pas toujours là. Donc on était les premiers sur le beefsteak. Moi, je suis content, moi. Ça me fait super plaisir. Maintenant, faut juste pas le filer à quelqu'un, quoi. Ça, ce serait bien. Est-ce qu'on a des jumelles de base? Non. D'accord. Et j'ai vu qu'il y a un casque. J'avais jamais vu ça avant. No duplication lead to permaban. D'accord. On peut dupliquer? C'est vrai? Comment on fait? Ça va, c'est bon. Je sais comment on fait de toute façon. Bon. Et tout, oui, bah oui, il est toujours encore en train de mourir, le con. Ouais. Alors, il y a un véhicule. Mais est-ce que ce véhicule est en état de marche? Je n'ai pas l'impression puisqu'il manquerait potentiellement une roue arrière qui est la gauche, n'est-ce pas?
Ah, et le zombie m'a vu, hein, je me disais aussi, bordel. Et hey, c'est des snipers, c'est abusé. Ah, il manque pas la roue en fait. Elle est là, la roue. Allons voir. Bon, c'est peut-être un petit peu dangereux, mais en même temps. Ok. Merde. Putain, elle roule la caisse. Putain, la classe, toi. Mais la grande classe, mon gars, c'est seigneurial tout ça. Qu'est-ce qui nous arrive en fait là? Comment ça se fait? Très bien. Bah, c'est une bonne chose. Maintenant, Ok, c'est un bush. Oh, putain. Flipper deux secondes, moi. Ouais, là, du coup, je suis super flippé parce que. Parce qu'on a tout. Vous savez ce que je vais faire? Je vais laisser la caisse ici. On sera plus discret sans la bagnole. Et je vais la récupérer tout à l'heure, une fois qu'on a posé notre coffre. Je pense que ça me paraît bien. Ouf, je fais une fumée assez incroyable. Bon. Concentration, assaut, concentration. Ne te fais pas tuer. Tout ce que tu veux, mais pas ça. Communication directe, on est bien. Allez, alors. J'ai entendu des zombies déjà. Merde. Il y en a juste devant mon nez. C'est un hôpital ça? Non. J'étais en train de me dire l'arrière était un petit peu similaire. Merde. Qui c'est qui m'a spot là? Oh putain. Super quoi! Bon allez, on va y aller. YOLO un petit peu, mais on va y aller. Oh salut. Ça va ou quoi? Super, bon. Deux hangars, j'allais dire deux hangars, non pas du tout. Deux hangars industriels moyens. Avec un peu de chance. Il y a un moteur, bien entendu je n'en cherche pas, j'en trouve un, c'est le Normiche. Oh putain, y'a rien. Non, mais fais pas ça. Oh y'a ce toolbox. Ça peut être pratique la toolbox hein, dans tous les cas. Dans tous les cas, entrenching tool. Qu'est-ce que c'est comme type de mine? PKM M24. Ok. Stanag. Plus commun le Stanag. Oh putain, non. On a beaucoup de choses là. On a beaucoup de choses intéressantes. Ok. Toujours ça de prix également. Petite piochette là des familles. Hop, pickaxe, parfait. On se casse. Ah, dur, y'a pas. Ok. C'est pas grave. On va continuer, je perds beaucoup de sang les amis, hein. Vous avez vu la barre de vie, elle commence à être, alors pas critique, mais elle commence à être assez dans le jus, j'ai envie de vous dire. Je sais qu'il y a un centre commercial pas loin, on va aller se faire un tour au centre commercial, allez juste en face, voilà. Je suis en plein milieu, je suis à vue, on pourrait me shooter, c'est assez flippant là ce que je suis en train de faire. C'est un petit peu n'importe quoi. Pas l'impression d'avoir vu quelqu'un à l'intérieur. Putain, arrête de tousser, bordel. Putain, avec ça, on est spoté à 500 bornes aussi. C'est chiant, ça. C'est un poil chiant. Oh, bouffer. Yes. Manger. Ça en prend, hein, pour un petit peu de vie. C'est toujours ça de prix. Faites 250 HP, normalement. Et un sac, ça serait pas mal non plus. Ok, à boire.
Vas-y, fonce, 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 fonce. Chargeur, qu'est-ce que c'est ça? Un Makarov? Ouais. On va retirer un bandage, bien que ce soit pas vraiment... Non, en fait, je préfère retirer ça. Survie maximale. Yes. Toujours mieux que rien, les amis. Hein. Prendre la poche du gilet check. Hop. Parfait. Du coup... Que dalle, que dalle et que dalle. Ok, on va repasser devant rapidement parce que je vais récupérer les deux boissons qui sont là. Nous y voilà et on s'arrache. Est-ce que le zombie est à l'intérieur? Ouais, il est à l'intérieur, d'accord. Tiens, ils sont 2, 3. Ok, on oublie. Non, non, on oublie la baraque. J'ai pas envie de prendre de risques. J'ai pas envie de prendre de risques inutiles, les amis. Je pense que vous me comprenez. On n'est pas là pour ça, hein. Vraiment pas là pour ça. Là, ce qu'il me faut, c'est une entrenching tool et on se casse, mais vite fait, bien fait. Vraiment tailleux, tailleux. Et on va essayer de poser ce coffre vraiment pas trop loin d'ici, là. L'endroit me paraît idéal. Et j'ai plus beaucoup de vie, il faut vraiment que je me manie les fesses. Mais ça va, ça va, ça va, on y arrive, on y arrive. On se calme, on se détend, on va y arriver, il n'y a pas de problème. Faut juste pas que je fasse une mauvaise rencontre, là. Et c'est bien. C'est très très bien parce qu'on a une caisse, on a un coffre, si on arrive à garder les deux, pooh, on est bien. Franchement, on est bien. Oh, arrête de tousser, bordel. On va se faire spotter à des kilomètres. Est-ce qu'il y a du zombard déjà? Ouais, il y a du zombard. Mais est-ce que ça fait longtemps qu'ils ont pop? Est-ce qu'ils viennent de pop? J'en sais trop rien. J'en sais trop rien, les amis. Et les portes sont fermées, c'est une bonne chose. Vide, complètement vide, tout est vide. Allez vous faire fiche. On a du Makarov. Ok, on est plein. Entrenching tool, hein. Je vous le rappelle les amis, on cherche que ça. On cherche un entrenching tool et on s'arrache. On verra pour le loot un autre jour. Là, on est focus sur notre objectif. Rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Je veux ça, je veux, je veux, je veux. Avec deux stanag à l'intérieur. Super dangereux ce que je suis en train de faire. Et arrête de tousser. Bon, par contre, si là-dedans on ne trouve pas l'entrenching tool, je sens que je vais devoir un petit peu tricher, les amis. À savoir vider peut-être un ou deux bâtiments. Ce serait tricher, certes, mais on n'a pas beaucoup de vie. Et je ne peux pas me permettre de mourir. Que dalle, putain, y'a que dalle. Y'a que dalle. Pourquoi y'a pas? Oh, c'est la merde. Oh, c'est tellement la merde. Y'a pas. Y'a pas. Y'a pas, y'a pas, y'a pas. Arrête de tousser. Tu suffis, hein. Bon. Allez, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Entrenching tool, bordel. Oh, et tu passes pas, ben parce que t'es trop gras. Bien qu'on fait que courir depuis une heure. Oh! Yes! On se casse, on se casse, on se casse. Taillot, mes frères, taillot. Oh, yes. C'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Oh, merde! Dur. Oh ouais, dur. Bite, cours, petite merde. T'es sérieux? Attends, il était pas là lui avant, on est d'accord. Rassure-moi, dis-moi que... Bon, on s'en fout, c'est pas important. Mais n'empêche que je l'ai quand même pas vu celui-là avant. Drive, 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 allez, on est parti là. On est parti. On va poser ce coffre, je ne sais pas où mais on va le poser. Et j'espère qu'il faut pas d'autres matos hein, parce que sinon c'est la merde hein, les amis. Moi clairement là, là je me...
Je vais pas dire je me suicide, mais mais ça craint. Si on a besoin d'encore d'autres choses, blablabla. Ça pue la merde. Faudrait que j'ouvre la carte aussi. Faudrait que j'ouvre la carte. Savoir où on est quand même un minimum et où on va surtout. On va le poser parce que ça c'est aussi assez important. Mine de rien. Où est-ce qu'on peut poser ce coffre? Hein? Alors, à des endroits, un endroit un petit peu discretos comme ça. Mais l'endroit où on se trouve là en ce moment, il n'est pas trop mal. Parce que on a un petit mix de tout. D'une zone industrielle qui est juste derrière nous. À droite, on a une zone militaire très riche en armes. Et à côté de ça, on a encore une ville résidentielle. Extrêmement bon. C'est extrêmement bon. Alors, on va faire vite fait couche panier comme ça. Et hop, voyons voir. Alors, nous, on se trouve là, quelque part. Il y a Martin juste là pour la zone Indus. Résidentielle. L'Indus, elle est là. On a l'airfield pour un peu de PVP. Et on a ça pour la zone militaire, quoi. C'est pas mal du tout. Faudrait que je trouve la borne qui est là, la 92. On va essayer de faire ça. Oh! No way! Come on! Merci. Elle est où la borne 92? On va essayer de poser le coffre pas loin ou à côté. Elle est là. Elle est là, notre borne 92. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose à côté d'ailleurs, accessoirement? Oh putain, ouais. Une maison en construction. Dac. Tac. On va descendre un petit peu. C'était à prévoir. Putain, mais arrête de tousser, espèce de gros con. Mais il est sérieux, lui? Il veut mourir ou quoi? Je peux pas me permettre de crever maintenant. Ça va pas du tout. Faut que je le pose, ce coffre. Mais je peux pas le poser en plein milieu de la forêt. Je le retrouverai jamais. Ou alors il m'aurait fallu une carte. Arrête de tousser comme un gros con. Désolé les amis, hein, j'ouvre vite la carte. C'est un peu perso ce que je suis en train de faire, mais j'ai pas le choix. J'espère que vous pouvez me comprendre. Et si vous pouvez pas, c'est pas grave. J'essaie juste de faire vite en fait. Poser ça rapido. Il y a une route pas loin. Ok, on est là. Derrière nous, c'est la borne 92, enfin le numéro, ouais, machin là. Ok. Arrête de tousser. Ouais, ça me paraît bien. C'est un petit peu au milieu de tout, enfin au milieu de tout. Je m'entends. Ok. Qu'on reprenne la carte, vous et moi. On est là. Ça paraît être un peu long. Bien que eux ils soient ici, ce qu'ils vont faire, je pense, c'est si jamais ils se pointent, ils vont couper par là. Ou ils vont couper par là, mais ils vont pas forcément s'arrêter. Faire gaffe, il y avait un hélico qui est passé juste devant nous. Qui vont pas forcément s'arrêter juste là, la pierre, quoi. On va poser ça là. Ça là, je pense que ça paraît quand même. Je sais pas trop. Ou alors on va au château. Un peu plus loin. Pourrait aussi, hein. Mais j'ai pas envie de traverser toute la planète là. Bon, allez, on tente. On tente ? Allez, on tente. On est fou. On a eu de la chance jusqu'à là. J'aurais pu aller récupérer la bagnole également. Mais tant pis. On ira sans la bagnole.
On ira récupérer la bagnole plus tard. Putain, il y a des baraques là-bas aussi. Shit. Oh shit, shit, shit. Le problème qu'il y a, c'est que si jamais ils sont, si jamais il y a des gens qui sont là, d'habitude les gens ils tirent à vue, mais là clairement si je suis près de leur baraque et qu'ils sont là, principalement s'ils ont la baraque ouverte, ils vont pas hésiter une seule seconde. Et leur placement de maison il est très bon ici. Hein. Il est très bon dans le sens où il y a tout. Il y a absolument tout ce qu'il faut alors, un peu partout là. Résidentiel, médical, industriel, tout ce que tu veux. D'où le placement du coffre, plus ou moins au même endroit pour nous. C'est très dangereux ce que je suis en train de faire. Parce qu'on n'était pas obligé. Hein. Mais je me dis c'est quand même mieux planqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de routes là-bas, il n'y a pas beaucoup de passages, très peu de trafic. À part du trafic aérien, on n'aura rien du tout. On est peut-être un peu mieux. Et on est plus près de l'endroit de spawn également. Si on veut se restuff rapidement, etc., etc. Ça me paraît bien. Et on va pouvoir planquer la voiture peut-être aussi un petit peu mieux parce que je vais pouvoir la planquer directement dans les ruines. Si toutefois les ruines sont vides. À voir une fois qu'on sera sur place quoi. Et mon sang qui commence à être très très bas. Il me faut un médicament assez d'urgence là. Assez rapidement. Mais on s'en sort bien. Merde. Autant pour moi les amis. Je suis navré. Hein. Oups. Allez, cours, Forest, cours! On y est bientôt. Alors, ouais, désolé les amis, c'était beaucoup de courses au final. Mais je vous l'ai dit, hein, l'objectif là dans cet épisode là, c'était vraiment de pouvoir poser ce coffre. Regardez mon sang en bas à droite. Ça craint. Hein. Va falloir qu'on se pose, qu'on pose nos fesses assez rapidement là. Et j'espère qu'on a besoin de rien d'autre parce que sinon je suis dans la merde. Si on a besoin de, je sais pas moi, j'en sais rien. De n'importe quoi. Et comme j'ai pas checké sur le net avant, bien entendu. Ouais, ça craint un petit peu. Si c'est le cas, ça craint. Genre, je sais pas moi, un scrap metal ou un truc comme ça quoi. Oh putain, ce serait la merde. En même temps, c'est un coffre. Concrètement, y'a rien besoin. Attends, peut-être c'est une pile en fait ou un truc comme ça. Oh là, si c'est le cas, c'est la merde. J'espère que non. Ok, les ruines sont juste là. On va voir si on peut poser ici peut-être, aux ruines directement. Comme ça on a une couverture gauche-droite en haut en bas, plus ou moins. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On peut se permettre de le mettre quelque part là, éventuellement. Il y a du loot également. Non, c'est pas du loot, autant pour moi. Je croyais que c'était du loot. Peut-être juste là. Voilà, on est bien là. On est bien. Mettons ça là. Allez, croisons les doigts. Unit batterie, va te faire. Pardon. Bon. On a besoin d'une batterie. Attends. Parce que. Parce que t'es mignon, 2 minutes, mais. DayZ Origins safe. Safe. Intrinsic toolbox. Il me faut juste encore la batterie. Va te faire fiche. Putain, je suis. Bon, alors les amis, l'avantage qu'on a. Quand je dis l'avantage, on est d'accord. Hein, c'est un petit peu. Bon, voilà, très bien. L'avantage qu'on a, c'est que on a Martin à côté. Martin qui va nous permettre de trouver une batterie relativement facilement, puisque, je vous le rappelle, c'est une zone résidentielle extrêmement, extrêmement riche en loot. Problème qu'il y a, très peu de vie. Deuxième problème, on a un flingue, c'est tout. Troisième problème, c'est une grosse zone résidentielle, égale potentiellement pas mal de gens, sachant qu'on est encore une fois 40 sur le serveur. Donc ça craint un tout petit peu. Non, parce que j'ai bien fait de pas venir en caisse. Parce que ça aurait pu être un poil plus dangereux encore. Oh putain. Il faut une batterie quoi. Non mais il faut une batterie sans déconner.
Maintenant qu'on a tout le bordel qu'il nous faut, il nous faut une batterie au dernier moment. C'est la merde. Ça, c'est peut-être le move de trop, ça. Mais bon, pas trop le choix. Où est-ce que c'est la ville? C'est là. Pas le choix, les amis, pas le choix. Si on veut poser, il n'y a pas le choix. Au niveau du sang, il doit me rester peut-être 4000 HP. Un truc comme ça. Ça va être tendu. Hein. Alors, il me faudrait de la bouffe. Si j'arrive à trouver de la bouffe, je suis content. Mais si j'arrive à trouver une batterie, encore avant tout, en premier lieu, je suis encore plus content. Ça devrait pas être compliqué à trouver quand même. Parce que des batteries dans les maisons, dans les trucs, j'en ai toujours trouvé rapidement. J'en ai toujours trouvé d'ailleurs dans toutes les baraques, j'en ai toujours trouvé. Ça devrait vraiment, vraiment, vraiment pas poser de problème, du moins je l'espère. Et qu'on puisse foutre le camp rapidement. Et limite, j'ai bien envie de tuer mon perso une fois qu'on a tout posé et qu'on a tout sauvegardé dans notre coffre. J'ai bien envie de tuer mon perso histoire de ne plus être malade. Ok, on va commencer par cette maison. On a des allumettes. Ça peut toujours être pratique. C'est tout. Le Dianfield, je ne prends pas. Bien que j'aurais peut-être dû. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Magne ton cul. Putain. Chargeur de bison, on en a rien à foutre. Rien à foutre, mon pote. Ok, ça fait du bien. On a repris un peu de couleur. C'est une très bonne chose. Non, non, l'escalier, sur l'escalier. L'escalier. Alors là, dans le genre prudent, d'habitude j'aime bien courir comme un connard. Là, pour le coup, on va courir comme un connard, mais on va quand même faire vachement gaffe à ce qu'il y a autour de nous. T'as une batterie, merde, une batterie. Elle est là, une batterie. Pas de batterie. Monte. Prends l'escalier. J'ai des squats. Faut qu'on se dépêche. Pas de batterie. Sour. Ok, ça va. Vite. Prends pas, j'ai pas le temps. Pas le temps. La porte, merde! Sérieux là? Qu'est-ce qu'il est chiant! Alors, il y a un autre souci également que je n'ai pas forcément cité. Enfin, si, je l'ai cité tout à l'heure, mais voilà. Il y a un énorme dépôt d'armes là-bas. Mais un truc de grand malade. On ira faire un tour, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais vous le connaissez déjà, le spot, je suppose. Mais c'est un truc de dingue. Et concrètement, il y a souvent des gens qui passent ici derrière après. Pour se faire un peu de blé, enfin pour se faire un peu de blé, pour se faire un peu de bouffe, enfin peu importe. Mais pour faire un peu le plein de tout et rien quoi. Parce que forcément tu trouves la race ici. J'ai pas vu de batterie. Alors peut-être que je passe tellement vite les amis. Alors c'est possible que je passe à côté de certaines choses des fois. Mais je ne fais pas forcément attention. Et ouais, parce que en même temps que je caste, jouer c'est pas facile. Donc il faut le comprendre hein. Si je loupe des choses, et si je peux même louper une batterie éventuellement, ce serait bien con de ma part, mais c'est possible, hein, ça peut arriver. J'espère que non, mais tout de même. Pas m'en vouloir. Enfin si, insultez-moi, hein. Tu fais ce que tu veux après derrière, mais... Putain, allez là. Allez là. Eh, va te faire fiche. Ok, on a déjà plus beaucoup de vie comparé à avant. On s'habitue à la première personne, en fait, c'est assez intéressant. J'ai jamais joué en première personne à DayZ et là je sais pas, je m'y suis assez fait. Est-ce que c'est parce que j'ai fait beaucoup de FPS avant? Je sais pas trop. Yes, de la bouffe. Maman, manger! On se dépêche! Ah oui, je bouffe et forcément automatiquement. Allez, mais tourne! Putain. Je bouffe et automatiquement derrière, en train de crever. Est-ce qu'on a de la place encore dans ce. Pas le temps. Fais le truc en gros, normalement avec le nombre de... Oh! Un code lock! Fuck!
Shit. C'est pas ça qu'on veut, merde. Putain, c'est pas ça qu'on veut. J'aime pas cette zone, j'aime pas cette zone, j'aime pas cette zone. Je suis mort des dizaines de fois ici déjà. Il y a une file de machin, tralala, on s'en fout. Pareil, on s'en tape, bordel, on s'en tape, on s'en tape. File-moi des choses intéressantes là. Passe cette porte. Et j'ai vraiment un problème avec les portes aujourd'hui, moi. Qu'est-ce qui se passe? Que dalle. Chialer. J'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer. Oh, alors si je me pète une jambe, ça serait encore le plus drôle. Je m'en fous, je rampe pour trouver un truc. Je vous le jure, je rampe, j'en ai rien à foutre. Et je vous garde avec moi, ouais, absolument, parce que je suis comme ça. Oh yes. Ok. Je suis déjà un peu. Je me sens déjà un peu mieux. Arrête de t'étouffer comme un gros con, s'il te plaît. Voilà, c'est tombé. Une batterie, s'il te plaît. Une batterie, s'il te plaît. Une putain de batterie, s'il te plaît. Oh merde, une boussole, mais putain, s'en fout. S'en fout de ta boussole à la con. La porte, la porte. Tu vas me dire que dans tous ces bâtiments résidentiels, on n'est pas foutu de trouver une batterie. Non, mais c'est pas sérieux. Là, c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux du tout. On s'en fout de ta mitraillette à la con. Putain, pour une fois que je cherche un truc, mais que je trouve tout le temps, quoi. Mais c'est pareil. C'est comme un moteur. C'est toujours pareil. Je tombe, quand j'en veux pas, je tombe dessus. Et quand j'en cherche un, mais vraiment, genre vraiment, gravement, y a pas. Mais ça n'existe plus. Je veux dire, le moteur a été supprimé de la base de données, quoi. Mais clairement. Et c'est un poil chiant, c'est un poil frustrant aussi. Parce qu'il y a un moment, faut y aller quoi. Et putain, on est bientôt arrivé à la fin. Oh, sérieux. Merde, mais une batterie, putain. Trop demandé, bordel. Calme-toi, ce. Calme-toi. Tu stresses pour rien, tu vas voir que tu vas finir par la trouver, ta putain de batterie. Et tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Non, c'est pas un revolver, je veux pas. C'est pas un revolver, je veux pas. Un revolver ou rien. Bon, au moins on est pas emmerdé. Au moins on est pas emmerdé par les zombies. Putain, la voiture elle avait vraiment une sale gueule. Tiens. C'est quoi ça, une tente? Je m'en fous de la tente. J'ai beaucoup mieux. J'ai 15. Oh, yes. J'ai 15 fois mieux qu'une tente, mon pote. Je peux pas combiner avec un revolver? Seriously? Seriously? Tant pis, je garde, je m'en fous. J'ai un Lee Enfield avec 30 de mule, ça devrait suffire. Oh 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 oui. Je m'en tape moi, dégage, on s'en fout, vas-y, hop, on se tire, on se tire, on se tire. Sans attirer l'attention. Ok, on va passer par là. Non non, pas les zombies, pas les zombies. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un arbre, en plein milieu de rien, très bien. Mais pourquoi pas hein. Non mais y'a l'idée, y'a l'idée. Ok, on va se tirer par là. Bien, 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 je suis content, ça y est. Maintenant faut juste qu'on arrive à survivre. Et c'est le top du top. J'ai pas trouvé de map non plus, tiens c'est dommage ça. Mais crève alors, mais crève, on s'en fout, mais crève. Fais quelque chose, j'en ai rien à cirer moi. Mais meurs alors. J'ai été spot par un zombie, je sais pas où il est. C'est pas grave. On trace, on trace, on trace. Et on va aller poser notre fameux coffre. Et ça va me faire super plaisir. Voiture.
C'est pas prévu qu'il y en ait autant. Hop, ça passe. On va faire la méthode. La méthode je t'emmerde et je slalom entre tous les arbres. Putain, il est chaud l'autre derrière là. Tu vas voir. Je vais te semer, mon pote. Voilà. Rattrape-moi après ça. Oui, parce que les nav-mèches dans DayZ Mod, je vous rappelle, c'est absolument pourri. Ils vous suivent partout où vous allez. Ils ne coupent pas les chemins. Donc en quelque sorte, si tu fais un slalom entre les arbres, eh ben le con, il va rester dans un arbre. Voilà, voilà. Donc slalomé dans les arbres. Et c'est parfait, ça marche. Je me suis dit, on peut se servir peut-être. Mais visiblement non, dommage. Alors l'église ici, ça aurait peut-être pu être un bon spot également pour poser le coffre. Tu es en train de me dire. Bon, on va se mettre à la... Voilà, on va se mettre là-bas. Comme on avait dit à la base, au départ. Jusqu'à là, mes plans ont marché. On va faire en sorte que... ça continue. Pression, mon pote. Ouais, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. c'est flippant, flippant. Alors, il y a. Je pense que ça marche comme une baraque. Il va y avoir un code que je vais cacher, bien sûr. Parce que vous, je vous connais très bien. Voilà. Vous allez vous battre pour savoir sur quel serveur je suis. Vous allez me piquer ce que j'ai dans mon coffre. Et ça ne va pas le faire du tout. Donc non. Je refuse. I refuse. Non, ce côté, c'est mieux. Je m'emmerde. Hein. C'est une partie que je cache, les amis, hein, bien entendu, on est d'accord. Ok. Alors, on est bien. Le coffre est en place. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. Oui. Ça fonctionne. Oh yeah, 150 slots, 7 armes, 2 backpacks. Moi, voilà. Absolument. On va foutre ça dedans, on va foutre ça dedans. Parce que j'en ai pas besoin. Non, c'est ça que j'ai pas besoin. Voilà. C'est du chargeur de Lienfield, absolument ça j'ai besoin par contre. On va se mettre une boisson à l'intérieur, dans le doute. Et ça me paraît bien. Ok, ça me paraît bien. On va lock. Oh. Mm-hmm. Donc je disais, on va lock. Et je vais arrêter mon épisode ici les amis. J'espère que vous avez apprécié. Regardez-moi ça comme il est planqué. Comment c'est bon, comment c'est beau, c'est magnifique. Maintenant, eh bien maintenant on va pouvoir aller se stuffer très gentiment et très très coolement. Voilà, à la bien, tranquillou. Et ça c'est plutôt pas mal. Mais on va également récupérer la bagnole. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous voulez d'autres jeux les amis, c'est dans les playlists. Et si vous voulez vous abonner, eh bien un petit clic sur ma tête. Ciao ciao tout le monde, à bientôt.